Énorme. Bonjour à tous et bienvenue sur ce stream. On est en direct de la FNAC de Paris-Terne. Bonjour Terne, c'est une ville, non? Non, c'est le nom de la FNAC tout simplement. Okay. C'est parce que je crois que c'est la rue, je crois, ou un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est la rue ou l'avenue, j'en sais rien. Ouais. On est en direct donc de la FNAC de Terne pour le Paris Gaming Tour. On est avec Antoine Daniel. Bonjour Antoine, ça va bien? Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Et bonjour le public derrière. Du coup, parce que là, il faut faire gagner des choses au public. Tout à fait. Et comment on définit ça? On n'en sait rien. Attends, j'ai une bonne question la dernière, vas-y. Impossible, franchement celui qui la trouve, bravo. Ça, même moi c'est impossible selon mes standards. Dans la série Xena la guerrière, quel est le nom de l'acolyte de Xena? On a un goat, hein. On a un petit goat. Ce degré de nerdisme. Ne te justifie pas. Quel âge t'as? 40 ans. Ah, il a 40 ans. Tout s'explique. Bah oui. Attends, pour continuer dans les questions comme ça, un petit peu, ça peut être sympa. C'est super. Ouais. Quel est le... Quoi? Hey, ça, je te reconnais, toi, on s'est déjà vu? Oui. Bah tiens. C'est bien. Ok. Bon, allez, sur quel jeu on se fait rincer en premier? Golfgang, on avait dit, je crois. C'est Golfgang en premier? Je crois qu'on avait dit Golfgang en premier. Ah. N'hésitez pas dans le public à gueuler, tirer, sauter régulièrement. Oui, mais sauf que là, ça marchera pas parce qu'il n'y a pas les modificateurs, hélas. C'est ça. À faire du bruit pour aucune putain de raison aussi. Ah non, ça j'ai déjà donné ça. Est-ce que, Frédéric? Oui. Est-ce que l'anecdote que tu m'as racontée en loge tout à l'heure, est-ce que tu comptes la raconter en live à un moment ou pas? Je ne sais même plus ce que c'est. L'anecdote par rapport à une marque de vêtements. Non, mais. Je vais pas dire ça. Non, mais sans la citer. Est-ce que tu non, comptes... mais c'est pas dire ça. Ok. Bon, c'est pas grave. Non, c'est. My bad. Bah, si, je pourrais le dire, mais. Bah, si tu cites pas la marque, c'est ok, non? Ouais, mais c'est pas comme s'il y en a plein. Non, mais il y en a plein. Non, mais en fait, c'est une anecdote, franchement. Elle est un peu abusée, cette anecdote. Du coup, je me disais. Le truc, c'est qu'en plus, si je le dis, la personne va forcément se reconnaître. Bah oui, mais en même temps, je suis désolé, mais c'est mérité. Au bout d'un moment, fallait pas dire ce qu'il a dit. Ouais, je sais. Oh, écoute, libre à toi, Frédéric. Libre à toi. Libre à toi, Frédéric, de régaler ton public adoré, bien sûr. Alors. On était à un moment donné en relation avec... Quand tu dis on, c'est l'équipe joueur du groupe. Oui, bien sûr, en relation avec une marque de vêtements pour éventuellement faire des merch, JDG, d'autres trucs. Et donc, à un moment donné, on discute et la personne... Et on discute et on dit, bon, j'espère quand même que vous ne faites pas fabriquer vos vêtements par des enfants au Bangladesh, quoi. Et la personne nous dit... Bah, en même temps, bon, ça serait un peu votre type d'humour, donc quelque part c'est un peu rigolo. C'est un truc de fou de dire ça quand même. Comme dirait Feldup, consternation. Mais oui, c'est fou de dire ça quand même. Et de votre humour. Et donc, ouais, voilà, en étant tout à fait sérieux, hein, du coup. Ouais. Donc, j'essaie de lui expliquer que le principe d'une blague, c'est que c'est pas vrai. Parce que, parce que bon, c'est un peu triste quand même. Oui. Et donc, après, il enchaîne en donnant d'autres arguments, en disant oui, non, mais écoutez, ils sont pas malheureux. Il y a des crèches, il y a des magasins dans les usines. Mais c'est trop bien comme ça. Après le travail, ils peuvent directement rentrer à la crèche. C'est bien, ils en rapprochent. C'est trop bien. C'est, du coup, ils sont enfermés, quoi, en fait. Tu passes ta journée au travail. En étant et oui, et on s'est quitté en mode genre bon, on va en discuter entre nous, hein. Comme vous avez vu, il n'y a pas de merch qui est sorti. Oui, voilà, il n'y a pas de merch. Comme vous l'avez vu. Il n'y a pas eu suite à cet entretien, effectivement. Mais c'était, c'était étonnant. Voilà, c'est 2000 balles pour toi, Fadjourno, donc vas-y, tu peux prendre ce que tu veux. Vas-y, régale-toi. Les restaurants, ils sont sur ma pomme, bien sûr. A few moments later. Tu me montes le classement? Il monte le classement. Allez, moi j'ai une question, la régie. Oh la branlé! Oh c'est triste, hein. La régie, est-ce qu'on peut changer les règles et dire que alerte rouge ça vaut 5 points? Est-ce qu'on peut juger ça à l'applaudimètre? Okay. Il a dit. Il a dit qu'il est d'accord. Il a dit qu'il est d'accord. Il a dit la régie. Ta gueule. La régie. Le public est d'accord. Ouais, bravo. Allez, c'est parti, on y va. Allez, merci à tous. Il a dit, c'est ta chaîne, si Antoine est d'accord, ok. Je ne suis pas d'accord. Il est d'accord. Je ne suis pas d'accord. La régie, attendez, le public, vous êtes d'accord? La régie, vous êtes d'accord? La régie, si, si. On s'en fout de son avis, c'est un figurant. Il est pas sur sa chaîne, c'est un figurant, vas-y. C'est comme ça qu'il vous considère, hein.
Vous avez vu, il est méchant et vous êtes en mode ouais, on est d'accord avec toi. Et toi après, connard. Voilà, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Vraiment, il est méchant avec vous, il est désagréable avec tout le monde. C'est vrai. C'est vraiment, mais c'est vraiment, c'est une dinguerie. Mais c'est un personnage. Je peux vous assurer avec une grande tristesse. Ça fait 12 ans que je connais ce mec-là, ce n'est pas un personnage. C'est un personnage. J'aurais voulu, je voulais lui laisser le bénéfice du doute. Ouais, j'arrive pas à fermer cette bouche, c'est bon. Voilà. Moi, je suis tellement gentil, tellement sympa et tout. Je suis vraiment, mais trop cool, quoi. C'est vraiment, c'est ça. C'est. Applaudissements polis. Applaudissements polis. Applaudissements polis. Wave. Applaudissements polis de pitié. Vraiment, on se croirait dans un sitcom, ça me tue en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression de. En fait, je crois que j'aime vraiment bien le truc, quoi. C'est vraiment. J'aime bien, c'est sympa, quoi. Tout va bien. Tout va bien, j'avoue, j'aime bien. A few minutes later. Faut regarder où tu vas, mec. Allez, Frédéric, t'es le meilleur, mec. Ta gueule. Mais arrête, je te complimente. Vous voyez, je le complimente et il me dit ta gueule. Mais parce que ça, c'est tellement pas sincère. Mais qu'est-ce que tu as en tête dans ma tête? Moi, je suis d'une sincérité à toute épreuve. C'est tellement pas sincère. Dès que je te dis que t'es le meilleur, je le pense vraiment, mec. T'es le meilleur joueur que j'ai vu à Fall Guys de toute ma vie. Il ne dit jamais un truc sincère, il n'a jamais fait une En plus, il est misogyne. On n'en parle pas assez. Mais quel rapport? Franchement, on peut faire une compile des dingueries que tu dis à Florence, c'est toi qui le mets le plus cher. Bah écoute, non, tout le monde dans notre équipe lui met le plus cher. Ah bah bravo, c'est un argument ça. Bon, attends. Ah bah, en plus, c'est moi. Et moi, j'ai un site qui s'appelle antoinelamerde.com qui existe. C'est vrai. D'où c'est pas moi qui prends le plus cher. C'est vrai, il y a vraiment. Et il y a même un deuxième site qui s'appelle antoinelamerde de Twitch. Il y a Florence sur mon Twitch et sur mon stream qui ouais, regarde, il y a Florence sur mon Twitch, mais t'as quel âge? Il y a Florence, ça. Florence sur mon stream vient de confirmer que c'est toi qui lui mets la plus chère. Non mais c'est bon, mais au bout d'un moment. Mais arrêtez d'aller dans son sens, le mec est désagréable et con. Au bout d'un moment, faut arrêter d'être.